Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo, je vais te montrer cette pipe et il m'arrive un truc dans la pipe qui ne sert pas depuis longtemps. Regarde, regarde ce qui se passe. Elle a développé des moisissures. On dirait des mois, ce sont des carrément des moisissures. Elles moisissent à ne pas servir, tu vois. À l'intérieur du culot, regarde. J'ai deux pipes, deux, trois pipes comme ça qui moisissent carrément. Tu vois, regarde. Alors attends, je vais te montrer l'autre. Bon, ça, ce sont des pipes droites. Hein. Ça, c'est une. En même temps, je vais la présenter. C'est une petite Lacroix. Pipe modèle Lacroix 3 étoiles. Hein. C'est tout ce qu'il y a de plus classique en bruyère française. Et par contre, celle-là aussi. Alors, celle-là aussi, qui tu vois, est très très belle. Hein. Aucun problème. Elle est très jolie. Et elle aussi, elle développe, regarde. Tu vois ce qu'elle développe? Elle développe des moisissures. C'est carrément du moisi. Ils moisissent. Regarde ça. Regarde ça, comme ça moisit. Alors, j'ai une question à vous poser, à vous tous qui êtes des profs, pour ceux qui connaissent bien le monde de la pipe. Comment est-ce qu'on fait pour nettoyer ça? Comment est-ce qu'on peut éviter que l'intérieur du culot d'une pipe moisisse? Regarde ça. C'est la première fois que j'assiste à ce type de problème-là. On a eu quand même déménagé deux fois et les précédentes maisons ne nous ont pas fait ça. Alors ça moisit carrément. C'est carrément de la moisissure à l'intérieur du culot de la pipe. Et je ne sais pas comment faire pour pas que les pipes moisissent. Alors là, le tuyau est très impeccable. Celle-là, c'est une EWA classique, tu vois. Elle est très très bien. Mais par contre, elle moisit. Et je ne sais pas comment faire pour éviter que ça moisisse. Alors si tu as une idée, tu me mets ça, vous mettez ça gentiment dans la page commentaire. Ça m'intéresserait au plus haut point. Autrement, ce sont des bonnes pipes. Hein. Celle-là a bien morflé, tu vois. Celle-là, je l'avais réservée à l'Onérose. Et celle-là, je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'elle avait fait à l'époque. Attends, on va mettre ça comme ça. Ça va être plus esthétique. Voilà. Alors, si tu as une idée, mais tu me mets ça dans la page commentaire. Tiens, on va finir comme ça. Ça sera beaucoup plus joli. Voilà, ça sera beaucoup plus esthétique. Si vous avez une idée, vous mettez ça dans la page commentaire, je serais curieux d'avoir votre science, parce que là, je suis un peu dérouté. Et j'en ai plusieurs comme ça qui moisissent, voilà. Pourtant, elles sont à l'air, elles sont exposées. Je sais pas. Elles servent pas, donc elles moisissent. Je sais, c'est la première fois que je vois ça. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marpécho 3. Pipe! Au revoir, à bientôt et merci.